Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble trois moyens pour trouver de l'argent immédiatement. Donc, je me trouve toujours sur l'île Saint-Honorat, donc juste à côté de Cannes. Hein, vous avez pu voir un petit peu donc, les différents aperçus de l'île. Et aujourd'hui, euh, bah, je voulais vous donner trois moyens pour gagner du cash rapidement. Donc, juste avant qu'on voie tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de rejoindre quasiment 2000 web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et par la même occasion, donc, de recevoir librement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos sur YouTube. Alors personnellement, que ce soit à travers donc, mon club privé business ou encore donc, de ma formation Patrimoine en or, ou euh, même pour les personnes qui aimeraient que je les coach pour passer à la vitesse supérieure dans le business, la principale objection, 95% du temps, c'est ⁇ Coucou Maxence, euh, bah voilà, j'aimerais bien rejoindre ton club privé, j'aimerais bien euh, acheter ta formation Patrimoine en or pour créer une société à l'étranger, euh, bref, pour m'expatrier, toutes ces choses-là, mais je n'ai pas d'argent, mais j'ai... Les poches vides. c'est là la, la, la principale objection. Personne euh, voilà, doute de la qualité de mes produits. Personne me demande bah, est-ce que c'est trop débutant, trop expert euh, que ça. Souvent vous avez d'autres objections majeures. Vous en avez trois ou quatre. Donc le temps, l'argent, euh, le niveau et le sérieux. Et moi, à voilà, 95% du temps pour les gens qui n'achètent pas, hein, donc par rapport aux questions que je reçois ou même par rapport aux sondages que je réalise de temps en temps, c'est l'argent. Et je me suis dit mais L'argent, il y en a partout! Donc, comment on peut me dire que j'ai pas d'argent alors qu'on en a euh, tout le temps? Et c'est pour ça que je vais vous donner trois moyens euh, aujourd'hui. Donc, le premier moyen, écoutez-moi bien, vous allez le faire dès ce soir si vous avez un appartement ou une maison. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes dans un appartement ou une maison, vous prenez tout, 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 tous tout les objets où il y a de la poussière dessus et vous les revendez. Donc moi, vous le savez, hein, je suis minimaliste. Euh, donc ma vie tient dans deux valises. Donc j'ai une valise chez mes parents dans un petit village de moins de 85 habitants, proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, et, et j'ai une valise à Malte. Où eh bien, ça me permet voilà où c'est là où il y a ma résidence principale. Donc juste en dessous de la Sicile en Italie. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est dans des sociétés de matérialistes où euh, voilà, on, a, on entasse plein, plein, plein de choses. Moi aussi, moi-même, j'ai entassé énormément de choses. Moi-même, j'ai revendu encore récemment une montre que j'avais. Elle valait 400 euros. Je me suis dit, mais pourquoi j'achète une montre comme ça euh, En gros, je m'en branle. Et, euh, et c'est euh, important. L'avoir en tête, c'est qu'on entasse plein de choses dans sa maison, dans son appartement, même souvent il y a plein de choses, mais c'est rempli de poussière. Je, je, je les appelle des nids à poussière, ces objets, et souvent il y a une valeur. Alors ça peut être 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros ou plus. A votre avis, est-ce que c'est pas plus malin de revendre un objet, même s'il a peut-être une valeur sentimentale Souvent il n'a même pas de valeur sentimentale, il n'a il a rien du tout et de vous former sur internet ou de vous construire un nouveau actif pour ensuite si vous le désirez dans l'avenir donc mettre en place eh bien voilà, un confort de vie supplémentaire donc un confort de vie supérieur. Donc ça c'est la question que je vous pose et je vous invite à recenser, vous regardez. Donc même moi qui était minimaliste, j'ai revendu une montre récemment parce que je me suis dit je ne la mets jamais. Et surtout comme c'est une montre qui avait une valeur de 500 euros, surtout voilà, vous avez, c'est peut-être votre cas aujourd'hui, je la mettais rarement parce que par exemple quand j'étais à Paris, bah, tout le monde me regardait bizarre, c'est une montre en or, donc forcément euh, bah, vous l'avez compris, on a l'impression qu'on va vous couper la main hein, parce que euh, voilà les gens sont intéressés par votre montre pour pouvoir la revendre derrière. Donc, donc, en gros, voilà, j'avais un passif et je ne le mettais pas souvent parce que je ne me sentais pas en sécurité, euh, voilà, je ne me sentais pas à l'aise. Bah, vous avez peut-être un gros sac à main si vous êtes une femme et au final, bah, vous ne le mettez pas souvent parce que vous avez peur de l'abîmer ou de le faire un trou, alors que ça vaut peut-être 500 euros, 1000 euros, 2000 euros. Et euh, voilà, c'est important de l'avoir en tête. Donc, premier moyen, recensement de tout ce que vous avez dans votre appartement, votre maison, euh, bref, là où vous habitez, vous dites wow, et ça, je pourrais le revendre, honnêtement, je l'utilise même plus, un nid à poussière, et ça vaut X euros. Donc ça, c'est le tout premier moyen. Le deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle des actifs complémentaires. Donc j'ai envie de vous poser une question. Donc si aujourd'hui, pareil, vous avez une maison, un appartement, utilisez-vous Airbnb. Pourquoi vous ne louez pas tout simplement bah, votre chambre que bah, plus personne n'est dedans, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des enfants, vos propres enfants dans le, dans le passé mais là aujourd'hui, ils sont plus là, ils sont, euh, ils habitent ailleurs, et vous avez des chambres libres, alors que vous pourrez très bien louer 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros la nuit, vous auriez un revenu complémentaire par rapport à quelque chose que vous avez déjà. Donc il suffit juste de euh, mettre cette annonce où vous dites, euh, bah voilà, j'ai euh, une chambre pour pouvoir accueillir une personne, c'est X euros la nuit, vous allez avoir des revenus complémentaires. Donc là, c'est la partie. Airbnb, donc si vous avez déjà un bien, je pense à un appartement ou une maison. Ensuite, vous avez tout ce qui est blabla car. Donc, si aujourd'hui vous êtes un fan en termes de voiture, vous roulez énormément, bah. Pourquoi vous payez des prix astronomiques par rapport aux péages, aux autoroutes, bref toutes ces choses-là, alors qu'en même temps, alors en même temps que vous, vous voyagez, que vous faites votre trajet, ça ne serait pas plus intéressant de recevoir donc des paiements en prenant quelques passagers, donc ça va être 20 euros, 50 euros, 100 euros, puis du coup, bah, le trajet si vous devez faire un Lille Marseille en voiture au lieu qui vous coûte je sais pas, moi 200 euros, bah, il vous coûte Zéro, voire même vous faites un petit bénéfice, mais du moins, soit vous économisez une facture éventuelle, ou vous avez même un bénéfice en plus d'économiser de, de l'argent. Si, donc je pense à les gens qui sont à la campagne, si vous êtes à la campagne, mais pourquoi vous ne gardez pas des chiens Moi j'avais une ex copine qui avait euh, voilà, des animaux, c'est ce qu'elle faisait, elle gagnait 13-15 euros la journée. Donc si vous êtes euh, quelqu'un qui est à la campagne, qui a un petit prêt, bah, vous lui demandez des annonces pour garder des chiens, 15 euros la journée, bah, vous en gardez trois boom 45 euros bah vous le faites 10 fois dans le mois vous avez un complément de quasiment 500 euros donc souvent voilà les moyens c'est pas ce qui manque hein. je vous montre vraiment des petites techniques c'est à 100% easy en quelque sorte c'est juste qu'il faut changer son état d'esprit donc ça c'était les deux premiers moyens donc premier moyen revendre tous les objets ou les possessions que vous avez que vous n'utilisez pas forcément deuxième moyen tout ce qui est Airbnb blabla car, garder des animaux, euh, donc ça c'est tout l'aspect semi-actif, vous n'avez pas forcément d'efforts de, de, à réaliser. Et le troisième moyen, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez avoir une vie extraordinaire Donc oui, peut-être que quelques jours, vous allez faire un extra, oui, vous allez peut-être faire des heures supplémentaires, oui, vous faut peut-être prendre un deuxième boulot pendant un instant, un instant T, mais ça en vaut peut-être la peine. Moi, euh, voilà, vous le savez, à mon histoire. Il y a quelques années, donc c'était en 2012 quand euh, bah, voilà, j'ai démarré à Malte. Donc je vivais entre 800 et 1000 euros par mois par rapport à mes activités. Bah, j'étais en colocation. Donc j'étais en colocation pour payer euh, bah, beaucoup moins de loyer. Bref, je faisais tout parce que je voulais à 100% garder ma liberté. Mais, voilà. mais j'ai fait des sacrifices pendant un instant T, donc pendant 6 mois, 1 an. Et aujourd'hui, je vis la vie de mes rêves et je peux voyager à travers le monde parce que j'ai pris. Euh, sur moi j'ai fait des sacrifices à un instant T et aujourd'hui ben, je peux être dans un appartement à 100% sans me faire chier dans de la colocation je peux voyager à travers le monde je peux aller dans tous les différents séminaires hein. donc je, je suis dans le top 1% des revenus francophones à 26 ans donc ça vous donne un ordre d'idée et pourtant en 2012 j'ai été obligé euh, pour être à ce niveau là en 2016 donc de faire des sacrifices en quelque sorte pour pouvoir développer mes actifs. Donc les moyens, vous les avez. Hein. Si vous, vous voyez encore cette vidéo, vous dites bah Maxence, c'est clair, j'ai plein d'objets qui traînent dans mon garage, j'ai plein d'objets dans ma maison. En plus, je, je paye une femme de ménage pour payer ces passifs qui bah, ne me font plus vibrer aujourd'hui, qui m'empêchent d'avoir des revenus complémentaires. Oui Maxence, j'ai euh, tout simplement une chambre. À disposition et je l'utilise même pas alors que je pourrais très bien accueillir des voyageurs et générer un complément de revenus. Oui Maxence, je peux très bien faire quelques heures sup pour augmenter ma valeur personnelle et eh bien avoir des revenus supplémentaires. Donc il y a beaucoup beaucoup d'autres moyens. Je vous en donne déjà trois pour pas voilà, vous embrouiller l'esprit. Vous l'avez compris. Aujourd'hui, si votre principal obstacle c'est l'argent pour acquérir une formation pour vous former sur internet ou même pour lancer votre start-up pour ensuite avoir une vie indépendante donc comme moi je le vis comme des centaines d'autres entrepreneurs le vivent dites-vous OK je vais faire des sacrifices, je vais peut-être revendre quelques passifs aujourd'hui à cet instant T, et dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, j'aurai tellement d'actifs qui tournent en ma faveur que là, ce plus les deux, trois petits tableaux, les deux, trois petites statues, euh, le 300, 400 euros d'Airbnb, les 50 euros par-ci par-là de blabla car ou garder des chiens et compagnie. Ça va être des milliers, dizaines de milliers d'euros que vous allez encaisser par mois, et là, ça ne va plus du tout être des euh, types de passif, Vous allez pouvoir voyager et vous allez dire, waouh! Heureusement que j'ai fait ce sacrifice à cet instant là parce qu'aujourd'hui je peux faire d'autres points magiques dans ma vie et ça j'en suis fier. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous invite à 100% à mettre en place donc, ces trois points précis, au moins l'un de ces trois moyens pour vous enrichir et ensuite bah, vous former sur internet. Donc que ce soit par mes biais, euh, donc avec grand plaisir. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rejoindre mes différents programmes et euh, souvent quand on me dit j'ai pas l'argent ah, je suis désolé, si vous n'avez pas quelques centaines d'euros à investir pour vous former, vous n'allez jamais réussir. Moi, vous le savez, j'ai investi plus de 45 000 euros au cours des dernières années dans des séminaires, des coachings, des ateliers. Je peux vous dire que voilà, c'est pas... 300, 500 ou 700 euros en formation. C'est plus de 45 000 euros au cours des dernières années. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Alors, ça me fait assez sourire quand on me dit Ok, mais je ne peux pas investir 100 euros par mois parce que je n'ai pas les moyens. Bah, trouve un moyen et tu vas vraiment me remercier dans le futur. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton, le bouton like juste en dessous. Hein, merci et par avance. Et juste avant de vous laisser, eh bien, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Et surtout, vous allez comprendre aussi un petit peu ma vie aujourd'hui en 2016. Donc, j'ai réalisé une vidéo bonus où j'explique comment je gagne donc 465 euros et 9 centimes par jour en 2016, donc plus de 465 euros en moyenne par jour avec mes différentes activités sur Internet. Donc, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page. Il suffit d'indiquer. Votre prénom et votre adresse email, hein, ça vous permettra de recevoir instantanément cette vidéo bonus. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube un smartphone, vous vous dites bah, merci Maxence, il est où ce lien Donc tout est dans la description juste en dessous, ou encore il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. Bye bye